Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live Télévision, Bozali et Bélé à travers les mondes Pona et Missionabino, dernière minute, Yamkolo, Yalelo, Tokoluka, Tobeta, Masolo, Nyonso, Oezali, vraiment, Kopé la moto, Nambo, Cannabiso, République démocratique du Congo, Tokobeta, Masolo, Italie, Mapona, Mijia 2023, avec le boycott, Mokolo, Yalobi, député, opposition, na plénière, Oezali, qui consacre un examen et adoption il y a loi électorale toko betalisu sous masolo na makambo Italie interpellation et libération il y a ministre il y a hydrocarbure Didier Boudimbou est-ce que les alliés expression démocratique expression d'un véritable état de droit République démocratique du Congo mais également toko solo là na makambo Italie état des sièges après passage il y a délégation gouvernementale d'un Nord Kivu pour évaluer cet état des sièges décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour n'a restaurer paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le Tozali na Sengo yakoya Mbelabino moko ya ba opposant ya Mboka na biso azali communicateur ya PPRD FCC ya mwana Mboka Joseph Kabila yé à Bengami na Kombo ya Jean-Pierre Bédessi. Jean-Pierre Bédessi, mbote na yo. Mbote ndeko Maxime, c'est pour moi un grand plaisir ya ko participer na émission Oyo. Na okajo pe singa ya tuka na ko saluer ba internautes nyonso, na pe ba mbote à travers le monde. Notu ko loba toyo na pona ko yibisa ba imboka la marche du pays et avec vérité. La marche du pays et avec vérité, c'est-à-dire vous allez ko jirer biso que na début à mission Tisuka de Jean-Pierre Bélessi à Koloba Bosolo, rien que Bosolo. Tout à fait mon cher ami. Et aussi tout à fait et aussi tozali na peuple moko qui est suffisamment mature et éclairé pour na koyeba qui est qui et qui fait quoi. C'est-à-dire on a Koloba ezali oyo peuple ezali ko traverser comme problème. Donc c'est pour vous dire mon cher ami, je suis là pour dire la vérité, rien que la vérité. La vérité, rien que la vérité. Tofongoli na nous. Ndela ya mission na biso Jean-Pierre Bélessi Mokolo, il y a lobby na kati ya Assemblée nationale au moment où Imboka bazali ko zela maponami na 2023 plénière consacrée na examen pe adoption ya loi électorale bino Imboka ya PPRD FCC pe na Lamuka busile ki ko claquer porte bo boycotter plénière pour quel but précisément. Une très belle question mon cher ami. Avant de répondre concrètement à mon cher ami Maxime, je vais vous dire que nous avons un bisou PPRD. Pardon, FCC, nous sommes prêts pour nous pour 2023. Et peut-être que nous avons un seul jour, soit une seule seconde pour nous pour 2023. Parce qu'avec la misère, avec souffrance, avec pauvreté, nous allons gagner terrain. Avec la misère, vous allez gagner, mon cher ami, la seule possibilité, j'allais dire, le seul moyen, pour se débarrasser d'un régime, d'un pouvoir, un pouvoir de la honte, pour vous allez se distinguer d'un détournement de millions de dollars, pour vous allez se distinguer d'un gabegie financière. Pour vous, vous allez se distinguer dans le tribalisme, mon cher ami. Il y a tribalisme, c'est que même les chefs de l'État étaient en train de combattre mais tribalisme. Mais mon cher ami, exemple... Même corruption, exemple, mon cher ami, exemple, effet ou t'en as l'écolo. Bah, considérez, il faut appeler ça bisso, n'est-ce pas, exemple, pour la collection, justement, que nous allons aller te pour le tribalisme. N'a plus un exemple, mon gros concret. Soit d'abord l'institution président de la République. Tala na kati institution na bana bazali tout autour à chef de l'état et bazali ba trois espaces moko ya grand kasai zo ba conseil nyonso na 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 donc na ki de ko na ko tu ba komo na bango na ki na président sukuna mais sokoli sona jo to identifier ba tout sokoli ngi mo to tanas moro non sokoli ngi bon sokoli meritocratie sokoli ba tout tanas wa na bazali ba yé les mingi mon cher ami mon beko lui conduit la constitution dit ceci que le président de la République Azalaka les symboles de l'unité nationale. C'est ce qu'il est. Pas du tout. Mais il n'a pas choix naïe.
na ba nomination zali ko sala. Vous constaterez avec moi, mon cher ami, que zali me bato espace moko ya roso mon dello, il y a les regrets, il y a tribalisme. Na la exemple monsieur. Yo zali moto. Ba critique on a eu comme on a même na tant moi moko Joseph Kabila. Ba kambo zala te mon cher ami. Ba aide ba soyez. Ya bo aide mon cher ami. Mobutu a combattu le tribalisme, mon cher ami. Non, Mobutu a combattu le tribalisme. Joseph Kabila a combattu le tribalisme. Mais les lois, il est revient aujourd'hui. Non, mais il y a les lois comme il m'a cassé, mon cher ami. Parce que les différents postes, c'est clair en boca. Au commun, mingi kaka, battu espace, c'est mon cher ami. C'est les lois qu'on encourage, mon cher ami. Pendant que nous avons tout, mon cher ami. Quel but? Le but, il y a boycott, c'est la bino. C'est une question importante, mon cher ami. Oyepi, que la question électorale nécessite un consensus. C'est d'ailleurs la philosophie, mieux, le contexte qui a mis en place, il y a CENI. Et c'est là qu'il faut trouver la confiance entre les acteurs politiques. Ou alors, tant que tu es dans Sun City, vous allez, les journalistes sont très avertis, vous avez vu que la mingi, il y a ma paya, compétence. Il y a qu'à organiser ma pronami. Ma élection, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais ce que tu dis, c'est un signe de d'appui à la démocratie. Pour que tu aies une substitution, que tu aies un bâton. Non, il faut que nous. Il faut que nous attendions, Signor Suzalanini, représenter Nakatikuna aux yeux pouvoir, aux yeux opposition, aux yeux société civile. Parce que ce sont les trois tendances que tu as dans le cas, mon cher ami. Mais dès lors que, mon cher ami, on est de respecter ce qui est prévu par la loi. Mais vous contournez pour n'imposer Batou. Na katia c'est ko banana ye moko kadima. Parce que l'ingiso ko ningito kota na katia histoire na ko la kisayo a plus b ndenge nini ndeko kadima komiona ndeko kadima komiona par la volonté politique ndeko nangai ya Félix Tshisekedi. Non maramuno c'est le cas qui va na procéder nyo so balanda ki pona yo. Procédure, on est qui biaisé. Procédure, c'est là qui respectait irrégulier. Non, mais c'est un exemple, mon co. Oui, mais déjà que non, le mot de. On est habitué, hein, Namboko, à l'habitude. Non, on ne se pas habitué. On ne se pas habitué. Oui, mais on a. Non, il a la même chose. Non, les opposants disent. Non, on a dénoncé. Les opposants d'aujourd'hui. On a dénoncé. La même chose. La cote d'adoption, mon cher ami. Tanga sur ta confession religieuse, mon cher ami. N'a pas sur la disposition. Article 18. Oui, il lobby clairement ceci. Que confession religieuse, parce que confession religieuse est une plateforme. Et du point de vue des droits, est une personne attitrée pour engager cette plateforme. Et selon cette disposition, est une église protestante, aux alliés vice-présidente, dans l'église catholique, au jour où la présidence, il y a présidente, on peut dire, bon, présidente ou autre président. Et surtout, il y a aussi un antécédent. N'a rien de corrosif malheureux. Accorder ma violence à Bangou. Nazako, non, on y a plutôt l'idée. Ma religion, bah, accorder ma violence à Bangou. Nazako, mon cher. Non. Tep, y a plutôt nos attentes. Y a plutôt l'ouki. Y a plutôt il faut que bah il moque. Bah, j'ai, bah, ma violence est qui accordée. Oui, bien, non, y a quoi, bien sûr. C'est là que ma violence est accordée. Na zong, mon cher. Bah, l'obé kuna que non, y a que ces deux grandes églises qui peuvent engager confession vis-à-vis des tiers. Yo monaki église catholique, na église protestante, parce qu'il faut déposer un PV dans l'Assemblée nationale. Parce qu'un PV, pour qu'il soit légal, mon cher ami, il faut que ma personne attitrée, habilitée à contrafaire, va signer un go, mon cher ami. Parce que si on continue dans Katia, on a bien une jurisprudence, soit un antécédent, de Kosoni Kafuta, à l'époque, à qui on a déposé un PV dans l'Assemblée nationale. Oyebi, réponse à mon cousin Mboka. À Komela, Madame Mabunda, à l'époque présidente de la CENI, qu'il ne pouvait pas prendre une ordonnance nommant de Rosa Malonda, parce que comment on s'entend que non, Rosa Malonda aussi avait été choisi par les six confessions religieuses. Qu'il ne pouvait pas prendre une ordonnance. Les confessions, mais donc, Nazakoye, mon cher ami, laissez-moi le temps. Laissez-moi. Parce que pour la raison que nous sommes aujourd'hui, nous étions dans la même configuration, Nakaya Rosa Malonda, Nakaya Ndekokadima. À Komela, Madame Mabunda, une lettre. Qui ne pouvait pas une ordonnance nommant Rosa Malonda comme président CENI parce que la procédure elle était irrégulière, mon cher ami. Mais sur notre droit, la procédure de la gare sacrée. Dès lors que vous violez la procédure, tout le reste, ça tombe caduque, mon cher ami. Et ça n'avait pas été respecté. Ça, c'est un premier élément. Des deux, mon cher ami. Mais surtout, tout simplement, l'élection
oyo eko exprimer la volonté ya population de là tu que de par la crise sociale économique ya mboka lelo. Donc nous voulons ba élection eko exprimer volonté ya ba mboka, parce qu'avec les bureaux kadima, mon cher ami, ils allaient par élections qui sont jouées en avance. Ndeko Jean-Pierre. Ndeko Jean-Pierre. Ndeko Jean-Pierre. Si quoi, oui. En bref. Bolini nini. Bino, batu FCC, bino, batu PPRD. Très bien. Bino, batu opposition. Très bien. Bolini nini. Tolingi que, d'abord, mauvais que de la respecter. C'est-à-dire, n'a pas ce concret. Selon cette loi sur la CENI. Donc, on a eu CENI et Longwa. Cette CENI, elle est illégale. Elle est illégale. Et nous, le PPRD, et nous, l'FCC, c'est pour nous. Cette CENI n'existe pas. Non, mon cher, permettez-moi. Parce que tous ceux qui ont été nommés dans Katia cette CENI l'ont été en violation totale. Il y a mis que ma texte, mon cher ami. Non, cannabis particulièrement. Non, nous sommes prêts pour les élections. Et j'ai décrit la situation. Sur l'Ignac, quand tu vas détendre, je vais entrer. Mon cher ami, le cannabis FCC, PPRD. C'est nous qui sommes dans l'opposition. Et par rapport à cette loi, il y a un quota qui a été réservé pour l'opposition. C'est nous qui sommes les opposants. Et c'est nous qui allons mandater Batuna Katia Yani Yaseni. Mais dès lors que tu es bisibino, que Ezala Ndeko Didi Manara, Ezala, il s'appelle. Ah, non, bino mobo mandaté, moutou, bino. La position est double. Non, la position du FCC. Un moment donné, bois d'opposition. Non, mon cher ami, la position du FCC Ezali connue. Nous avons dit, mon cher ami, que dès lors qu'on n'a pas vidé cette question-là, c'est-à-dire qu'on trouvait un consensus autour y a animateur à Seni, nous n'allons mandater personne. C'est connu, mon cher ami. Non, c'est grave. Lorsque citoyen Mbosso, consensus aujourd'hui que le bal est même bisotti la 2025. Non, nous n'allons pas parler. Il y aura si pour trouver consensus. Donc ça peut nous prendre combien de temps? Le bal cabo est politique. Ça peut nous prendre combien de temps? Le bal est. Non, il y aura si pour trouver une semaine. Non, mon cher ami. Mais donc il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mon cher ami, c'est après donc il y a du partage à pouvoir. C'est simple. Il suffit seulement que non, Toto Samobeko. FCC, envoyez-nous, Batonabino. Donc, Manara Longwa, Boluka, Nekoza Pierre, Akota. Non, pas forcément. Il faut tout le monde trouver que Bazala crédible pour la conversation de Katia Seni. Et la Mouka, envoyez-nous vos délégués dans Katia Seni. FCC, envoyez-nous les délégués dans Katia Seni. Il y a sa crédible pour délégués dans Bango. Ça peut nous prendre combien de temps? Et confession religieuse. Mais par contre, je suis salamaté. Non, mais cela n'a pas été respecté. Cela n'a pas été respecté, mon cher ami. Si nous le disons. Donc, débauchage, il est là. Mais il y a eu débauchage. Il y a eu forcing. On a imposé les gens par la force. On a imposé déjà par quatre. Il y a plusieurs années qu'on a imposé. Pas du tout. Pas du tout. Regardez. Quand on a histoire. Tous les présidents, il y a Seigneur à l'époque, tu vois qui consensus. Et n'a pas fait ça, que non. Église protestante. Église a toujours paraffé, n'est-ce pas, les PV Yakouken. Parce que selon la loi, c'est que le président a une confession religieuse. Et Kouna, ils ont trouvé un consensus autour déjà. Il y a un président. T'as là, la position sur l'électorat, nous, mon cher ami. Quand on a histoire au monde, c'est-à-dire déjà, t'as là, tu as évoqué que nous avons 4 confessions religieuses. Pour Ndeko, il y a Kadima, il n'y a pas de consensus. Donc, c'est pour dire qu'il y a des véritables problèmes. Pour Nabisso, il faut d'abord commencer par vider ça. Vider ça comment? Le bar et l'orignon sont à combo dans haut. Ça dit pas, on va vider. Vider! Il faut tout recommencer à zéro. Nous devons recommencer cette scène, mon cher ami. Tant que la scène y était, c'est nous allions une série de bases, il y a eu deux pèses. Oh, mais je vous dis. Une pèse est limitée. Non, mon cher ami. Une pèse est limitée. Cette scène. Comme si une pèse n'a pas garde sa gueule. Je suis sûr que non. Cette scène, dans sa configuration. Non, mais n'aura pas la une pèse. Dans sa configuration actuelle, c'est une série de bases, il y a eu deux pèses. Et nous n'allons pas tolérer que volontaire population, il y a 2023, ils ont bafoué
bat na bato aussi bala kisi ba compétence na bango ya gestion bato aussi bala kisi non non permettez-moi ba limite ba gestion nous voulons que non élection 2023 exprime volonté population et nous y veillons. C'est pour vous dire mon cher ami pour la kosou qui ça que biso tozali to boy ma ponamité. Nous sommes prêts pour les élections mais nous ne voulons pas n'importe quelle élection. Parce que nous avons une élection transparente, crédible, mais aussi inclusive. Mais aussi inclusive. Mais aussi inclusive. Mais bien sûr, mais aussi inclusive. Non, non, mon cher. Vous savez, crédible, transparente, mon cher, vous savez. 2006, c'est Binoté. Vous savez. 2011, ils allaient Binoté. Bien sûr, mon cher. 2018, Binoté. Vous savez. L'élection, on a. Si vous m'avez porté regard critique. Mais, mon cher ami, la démocratie, au nom de Joseph Kabila, à côté de la Katiambokoyo, ils allaient d'abord une démocratie jeune. Vous voyez, et ce qui est vrai, c'est que la perfection n'est pas de ce monde. Dans tous ces procès électoraux, il y a des quoi. Non, je suis cohérent. Mais seulement, déjà, il faut reconnaître que non, il y a un grand pas qui a été fait dans ce sens-là. C'est-à-dire, il y a qu'on démocratiser notre pays. C'est ce qui est le plus important. Au fur et à mesure, aujourd'hui, qu'on avance, au fur et à mesure, nous allons commencer à éliminer tous les problèmes qui sont justement liés au procès électoral pour que tout soit un processus qui soit beaucoup plus crédible et apaisé. C'est ça notre démarche, les lots. Nous voulons que l'élection Zalikouya et l'élection non seulement inclusive, mais aussi indépendante et impartiale. Parce qu'avec avec la CENI, avec les bureaux, il y a Kadima Lo, Tokozo, l'élection, Oanate, mon cher ami. C'est ça la vérité. C'est pour vous dire, est-ce que vous pouvez imaginer une seule seconde, mon cher ami? Donc, une élection en 2023, sans la Mouka, vous voyez que la Mouka est un ancrage dans le cannabis. N'est-ce pas, dans l'élection, ça le PPRD, oui, ce qui représente le PPRD dans l'opinion, parce que du point de vue, en tout cas, ancrage, n'est-ce pas, il y a un parti politique dans Katiambo Kanabiso, le PPRD reste le parti le mieux implanté dans Katiambo Kanabiso. Le mieux implanté. Et vous voulez aller aux élections sans le PPRD, sans le FCC? Vous pensez que vous aurez une élection, des élections inclusives? C'est là où je félicite d'ailleurs, je remercie d'ailleurs l'église protestante. Une église catholique, au lelo, en tout cas du point de vue aussi sociologique, Bazali, les deux grandes églises qui appellent, n'est-ce pas, à un consensus. Parce que nous n'allons pas aller aux élections dans ces conditions, dans ce climat-là, c'est impossible, mon cher ami. Bonabiso, c'est l'UDPS, c'est Félix Tshisekedi, qui ne veut pas justement qu'il y ait une élection en 2023. Parce que le fait seulement que non, a boycotté, n'est-ce pas, tous les appels. Il y a ma force politique et sociale. Sur le talent de l'eau, il y a la majorité. Il y a ma force politique et sociale. Au Bazo, on a toujours qu'on trouve un consensus avant que tu aies une élection. Mais ce qui est Zakobo et Ango, est-ce qu'il est prêt vraiment pour la conquête de l'élection? Parce que nous savions que le fait qu'il a imposé Kadima, la tête de Seni, c'est-à-dire qu'il venait là de court-circuiter les procès électoraux. Donc il n'est pas prêt. Parce que son bilan, il y a un bilan qui est là. Les Hollandais sima. Et le peuple congolais, c'est un peuple qui est mature politiquement, les lots. Il ne veut plus comprendre que le moto est allé qu'on faire souffrir Bissot, n'est-ce pas? Et va continuer, qu'on s'en ait confiance. Il y a aussi une stratégie dans le baron, je cite. Stratégie dans le baron, va contrôler le coup cochonnet. C'est vrai qu'ils ont déjà réussi. Il y a contrôlé cet coup cochonnet parce qu'ils ont placé les siens. Parce que du point de vue des droits, mon cher ami, encore une fois, que là aussi la procédure pour la nomination du juge irrégulière. Et encore de plus irrégulière. Toujours imposition sur imposition. Vous pensez que Bissot va s'en aller, mon cher ami? Non. Jean-Pierre, bah discours, tu as dit au père. Bah discours, na 2016, bah 2011, Bissot va s'en aller, Bissot, bah discours, tu as dit au père. Mais au même moment. De quoi Jean-Pierre? Oui. On dit que le bail était procédé, il m'a embassé, moi tâtonnement, moi le roboé. Il faut saigner Oyo pour recommencer à zéro. Oui. Vous allez critiquer ma nomination, ma camouille, son Oyo et Salami. Oui. Au même moment, on dit que vous allez prêt pour ma ponami. Oui. Constitutionnellement parlant en 2023. Oui. Nako yo kayo le sous vraiment na bo kebinyoso. Vous avez que c'est un dialogue pour dégager un large consensus. Oui. Na moment où population mamba glissement na aligni ko kamote. Tout à fait. Respect à ba texte né loko population aligni ba autorité ba gouvernant ba respecter ba texte constitution bilo ronyo so ba respecter. Au monde était à l'allure où vont les choses.
na ba exigence ou ta position na ma ramion so et comme ma biso mais loco to signer raté d'accord il y a Saint-Sylvestre ou élection va qui s'est organisée en 2016 et qui en 2018 au lieu d'examiner élection organisée en 2023 donc il y a 2025 parce que pour assouplir ma besoin il y a ma politique. Non, Deco, Maxime, d'abord un élément de taille, c'est que le dialogue na Katiambo Kanabiso a une connotation péjorative. Et pourtant, le dialogue, c'est une vertu en démocratie. Le dialogue doit être permanent dans une république démocratique. C'est important. Et c'est ça la démarche que nous sommes en train d'initier. C'est-à-dire que va privatiser le procès électoral. Parce que, à Watomo, en Etibazon, Ngaba, ils ont sacralisé les procès électoraux. Oh. Oui. C'est comme si les procès électoraux, ils allaient à Kambouka, qu'il y a union sacrée. Non, mon cher ami. Mais non, pas du tout. Non, tu connais que non, mon cher ami, Bato Bazakuna, Bazali Bato Oyo, Bazali imposé, Bazali débauché. Vous voyez? Et c'est ça notre démarche. Bisoudo Linga Nini, concrètement. Tolinga, tout simplement que non, vote à Congolais, c'est-à-dire, voye à Congolais. Vous allez dans Malembankoulou, vous allez dans Isangi, vous allez ceux qui na Kasumbalesa, elles à la respecter. Mais le long, on a pris en otage ces processus électoraux, mon cher ami. Là on a vu tout que non, loin de nous une idée à Koloba que non, tous ces gens soient que non, te refaire Seni pour que nous te partageons le pouvoir. Nous ne sommes pas dans cette idée là avec les bilans Oyo de Ofensi Zalango. Comment nous allons accepter que non, ton côté là-bas sorte, y a bateau union sacré. Non, mon cher ami. Ton côté n'a désordre, ton côté n'a aventure, ton côté n'a gestion, parce que le lot, il est démontré noir sur blanc, non? Ils ont échoué. Vous pensez que nous allons encore venir donner du bêtis, un pouvoir qui a déjà échoué lamentablement, mon cher ami? Non, nous ne sommes pas prêts à cautionner ça, mon cher ami. Notre démarche ici, c'est d'aller prendre la couba, non? Bah, texte, ils allaient la respecter et que tous les élections vont apaiser un processus crédible. C'est ça notre démarche. Toujours ça, alors comme ma case, c'était mon cher ami. Glissez-vous aux adaptés. Nous ne sommes pas prêts pour nous glisser. Nous sommes prêts pour nous glisser. 2023, ils allaient sombrer sous Kabissanga, mon cher ami. Nous n'allons pas permettre à ce que Bateau Bassi va échouer lamentablement. N'est-ce pas? Va continuer une seule seconde à gérer Mboka Oyo après 2023. Donc, et le peuple a déjà compris. Le peuple est derrière Abissou. Il y a un combat là-bas où ils allaient y aller. Que non, surtout que lors de l'élection, nous allons tous être chassés par les peuples. Et nous veillons justement que non, volontairement, ils allaient la respecter. Cette disposition constitutionnelle, ils allaient la respecter pendant que non, élection de 2023. C'est ça notre démarche, mon cher ami. On ne demande pas grand-chose. Vous qui n'étiez pas raccordement, ils allaient un prolongement. Nous ne sommes pas. Nous sommes pas prolongeant là, Joseph Kabila. Nous ne sommes pas dans ces combines-là, mon cher ami. Là, Félix, tu sais que tu es en 2023. Dis-tu toujours ma combine, on a été. Là, Joseph Kabila, tu prolongeais la position de 2018. Position d'abisson, ils allaient. Claire. La bino te prolongeait, 2018. D'abord, est-ce que prolongation, on a tout retenu. Mais la région, il y a prolongation, mon cher ami. Vous savez, élections font partie de la matière à souveraineté à chaque époque. Et vous savez que nos élections de 2006 ont été à 90% financées par l'extérieur. Donc, en 2011, n'est-ce pas, timidement, hein, mais l'option avait été levée. Dans l'élection de 2016, parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu c'est justement ce glissement en 2016, parce que l'élection est là qui aurait été en 2018. Mais l'option avait été levée pour que cette fois-ci, comme les élections font partie en matière de souveraineté, tout financer à 100% l'élection de Katiambo Kanabiso. C'est ça l'option qui avait été levée. Et les deux dialogues que nous avons initiés, parce que vous savez que non, à un certain moment, on reprochait à Kabila qu'il voulait faire un troisième mandat. C'est pourquoi il avait initié. C'est des dialogues pour appeler ceux qui sont dans l'opposition de venir entrer dans la carte de gestion. Parce que ce qui est vrai, c'est que ben, l'élection de Mboka Kanabiso, ça coûte extrêmement cher. C'est dans les 1 milliard de dollars. Et les seuls objectifs, les seuls buts poursuivis à l'époque, ils allaient là tout simplement pour qu'on permette à ceux qui ont l'élection de la financer avec les fonds propres. Il y a ici décalage-là. Mais aujourd'hui, c'est quoi la raison qu'on va pousser l'exploitation en glissement? Il n'y en a pas, mon cher ami. Et aussi, à l'époque, on a dit que non, notre économie dépend encore beaucoup plus des matières premières. Et il y a une chute brutale
vertigineux, j'ai un coût de matière première. Donc, on n'a pas eu suffisamment de moyens pour nous financer l'élection en 2016. D'où il y a ce petit glissement-là que nous avons tous accepté, d'ailleurs, y compris ma position, parce que je participe à la gestion. Aujourd'hui, Sami Badibanga, à Otakana, IDPS. Aujourd'hui, Tibala. Oh, ça va, c'est un PPR. Non, mon cher, Otakana, IDPS. Je participe à la gestion et aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est que nous avons assisté là. Oh, non, ça, ben, nous avons assisté là. Justement, à un transfert civilisé de pouvoir, au passé civilisé, la tendance démocratique et pacifique. N'est-ce pas? C'était ça aussi le vœu, et le peuple congolais. Donc il faut déjà, de ce point de vue-là, tomber le Kabila Mamboko, parce qu'il nous a permis à ce que la démocratie, hein, et ça l'a vraiment, il nous donne. Bien sûr, une réalité dans ce pays. Le Congo a donné une belle leçon, il y a démocratie en Afrique. Soyons fiers de Kabila, parce qu'il a fait un grand travail. C'est pour dire, mon cher ami, nous ne sommes pas dans un quelconque, soit dans une idée à Koulouba, que non, nous sommes là pour le partage du pouvoir. Non, pas du tout. Mais nous voulons tout simplement que non, volonté à peuple de la respecter, mais aussi respecter la loi. Parce que, par exemple, la vie sur l'état des droits. L'état des droits se résume tout simplement dans le respect des textes. C'est le respect des textes, c'est tout le bien nous. Et au lobby, état des droits, directement, cette question, il y a une Namoutou, parce que je l'avais même annoncé au début de cette émission, Didier Bidimbo, le ministre, il y a hydrocarbures. C'est là qu'il a interpellé, Nahaner a passé une nuit, Nahaner, un ministre en fonction. Bimbo Kabalobi, est-ce que c'est ça l'expression véritable d'un état des droits où Mokonzambo Kabalé Tshiseke, il y a des imprimés dans la RDC? Non, mon cher ami, état des droits, c'est un slogan. Et je reprends ici les propos, il y a M. Alinguette. Il dit que Tozali, notre ministre Pablo Escobar. Allez, Pablo Escobar, mon cher ami. Et quand tu as ce qu'on a histoire. Mais mon cher ami, Pablo Escobar. Oh, bon, je me souviens de mon cher ami. Voilà le bon. Alinguette, je ne l'ai pas en mot. Voilà, il me dit qu'il faut la miser galerie. C'est-à-dire quoi? Pablo. Oui, Pablo Escobar. Et quand est-ce qu'on a l'histoire, il y a Pablo Escobar. Oh, il y a Pablo Escobar qui n'en. Et c'est ça. Les lois de Tozali qu'on dirige, monsieur mon cher. Mais les raisons n'ont pas été avancées. Tu m'as posé la question. Tu m'as posé la question. Mon cher ami, on posé la question. Tikangana n'a répondu. C'est important. C'est-à-dire, les lois, trop comme on a Pablo Escobar. C'est grave ici, mon cher ami. Aujourd'hui, état des droits. État des droits, justement, là, tu connais ça que non. Ce qu'on a défini en gros, c'est un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Bisonios kubanda mukunzi yamboka tina dernier citoyen yamboka tout la nasse amibeko. Mais est-ce que le lot, mon cher ami, vous pensez vraiment que non le lot loi est respecté quand t'amour la vie tant bazar que violer la loi pas violer conscience ma b pas violer la loi organique ma b, c'est ça l'état de droit? Non, mon cher ami, parce que le makambuya ndeko bodidi bodimo ah toyo kira que non yai de Thomas qui a 245 millions de dollars. T'es pas français, t'es il y a j'ai des informations. Ils allaient pouvoir avoir des détournements. Il y a des sacs. Je sais que moi j'ai entendu. Je mets son conditionnel. C'est ce que j'ai entendu, mon cher ami. Il aurait détourné plusieurs millions. Mais ce n'est pas encore déterminé. Exactement, mon cher ami. N'appelle ça un autre exemple. C'est une théâtralisation de la vie politique. Aujourd'hui, tu vas assister à un théâtre. On peut t'arrêter. On peut faire ceci. D'autant que nous avons un dossier. Bah-toi 100 jours, procès 100 jours, mon cher ami. Bah, on, presque la majorité, on va à Dibanda. Et pourtant, d'ailleurs, on vient de casser les jugements. Il y a Ndeko Kamere. Il faut la cour d'appel. Et pourtant, tu sais que non, on a tenté tout simplement de laver Kamere pour que comme premier ministre. Parce que bon, ça l'a été. Encore le chef de l'État, l'autre temps, il a dit qu'il a. Il a dit que non, Kamere va encore jouer, a encore un rôle à jouer dans ce pays. C'est-à-dire quoi? C'est l'instrumentalisation et la justice. La justice de l'État indépendant, c'est la justice qui est aux ordres de l'UDPS. De l'État des droits athées. Et le chef de l'État, il est pas des droits athées. Mais ils ont inventé, il est parti terre l'heure. Ah, et puis que non, il est au courant que Bakosé n'a instrumentalisé la justice. Il dit ça! Qu'il est au courant, mon cher ami. Bah, lorsque vous êtes au courant, que non, mais ils donnent directement des ordres. Oh, c'est comme ça là. Exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Les conseillers ont été arrêtés. Mais qui par exemple? Dites-moi. Cite-moi un seul conseiller qui avait été arrêté.
Et puis ça, il dit qu'il est au courant. Mais par rapport à l'homme, il y a préparalisme, il y a forme et compétence. Moi, nous avons gagné, nous avons la compétence, il y a qu'on est situé. Il y a un homme qui a conseillé Naïe. Ah, il y a un homme qui a conseillé la justice. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, mon cher ami? Donc, il laisse faire, mon cher ami. C'est-à-dire, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Au lobby, état des droits, mais au tic, tout va aller tout autour de nous. Il y a un justice, mon cher ami. Il y a un c'est la justice qui a élevé une nation. Vous voyez, et aujourd'hui, Bakangi, ou Basali Boye, il n'y a pas de suite, mon cher ami. Tant qu'il y a un dossier, il y a Ram, ah, mon cher ami. Prouvez noir sur blanc que Ndekoana, Baimboka, 400, une affaire à 450 millions de dollars. Parce que jusqu'à présent, Toebi, Ram, c'est quoi? Ce sont là qui imposent. Parce, bon, sur les alakas impôts, il avait fallu que non. Non, non, mon cher ami, sur les alakas, sur les alakas impôts. Mais mon cher ami, permettez-moi. Ça dit que sur les alakas impôts, cela devrait être récolté par la DGI. Sur les alakas aussi, une taxe, c'est la DGRAD qui est compétente à la matière. Mais bah, il s'agit de ramener les alakas nini. Et où est parti l'argent? Ça dit, c'est une escroquerie d'État, mon cher ami. Et c'est grave dans une république qui s'est venue au Rwanda et l'État des droits. C'est extrêmement grave. Et pourtant, c'est. Attends-moi, dans les deux. Non, si c'est bien, il y a un l'État des droits. Oui. Attends, Kabila, l'État des droits, il y a un cas. Tu vraiment mon cas, l'État, mon cher ami, d'abord, ce concept-là, c'est la volonté politique de Joseph Kabila. Ah bon? On a quand la constitution, bien sûr. Nous voulons véritablement un plan dans ce pays. Nous voulons. Par rapport à la mise en place. Bien sûr. Et mon cher ami, vous savez, le lot, c'est la théâtralisation de la vie politique. Donne-moi les faits, je vous donne le droit. Parce que le lot, c'est que l'on a dit l'IGF. Que c'est ça, l'état des droits. Non. L'IGF, nous voulons la suite. C'est quoi la suite, mon cher ami? Mais c'est déjà un pas lorsque le tout c'est un pas. Mais un pas. Alors que notre Tolanda qui soit tambour battant, caméra détournée. Ah, c'est la prison bancale. Et après? Ah, liberté provisoire. Vous voyez? Akasia Bandoubola. Non, permettez-moi. Akasia Bandoubola. Des millions de dollars détournés. Elle est où maintenant? Il s'appelle qui? Teni Longondo. Des millions de dollars. Mais il est où maintenant? Liberté provisoire. Ah non, mon cher ami, c'est-à-dire, tant qu'il y a la liberté provisoire, c'est-à-dire, liberté provisoire, c'est liberté provisoire. Bah, on se passe à la liberté provisoire. Très loin, dans la maison civile du chef de l'État, c'est extrêmement grave. Des millions de dollars détournés. C'est là, c'est radio, mon cher ami. Ça dit quoi, mon cher ami? Tant qu'on a dit que c'est la théâtralisation de la vie politique, tout le monde a l'impression que non, il y a l'état des droits. Mais la suite, c'est quoi la suite? Donc, mon cher ami, ne nous amenez pas dans cette vaste aventure, mon cher ami. Pour Nabisso, c'est une parenthèse que nous avons refermée vite. Je suis aïe de peste. Je suis il y a c'est une parenthèse que nous avons refermée très vite. Et puis, peuple congolais, Abosana, c'est les 5 ans ici. Tout le monde s'en est rapidement. Pour que le 2023 est permettre. Pas vous en 5 ans. Oui, je suis aïe de peste, non? Parce que c'est pas ça, Lénine. Il y a mis à toi, Baron Bozate. Non, mais qui paie à toi? PPRD aux hommes. Non, mon cher, les hommes aux affaires. Quel est ce Congolais sérieux, mon cher? Permettez-moi. Non, PPRD aux hommes aux affaires. Dans un couillard. Quel est ce Congolais sérieux qui a toutes ses facultés en place qui peut aller voter Félix Tshisekedi en 2023? Et vous, vous voter Kabila. Mais pour votre information, mon cher ami, pour votre information, l'élo Kabila est réclamé par le peuple congolais. Yassolo. Vous allez jouer, ce que je respecte beaucoup, Maxime. Il y a un peuple, mon cher ami. Pour l'instant, c'est un sondage. Que pense le peuple et l'autre par rapport à gestion? Il y a Tshisekedi. Par rapport à gestion, il y a sacré. Comparativement, dans notre gestion, je n'ai pas la prétention, mon cher. Donc, Kabila, même façon. Non, calme, mon cher. Kabila, même façon. Mon cher, je n'ai pas la prétention. Il y a Kolobake, non. Notre gestion, c'était une gestion qui était rose. Non. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes. Parce que le Congo n'est pas encore un pays développé. Les problèmes existent encore. Mais, bon, il y a un sur base de ma statistique. Ma statistique! Est-ce que le pays avance ou soit le pays recule? Non, je suis à l'élo. Comment vous allez coquiner des bossos? Ah, nous critiquons. Non, mon cher ami. Ne donnez pas l'impression. J'ai beaucoup de respect pour vous. Mais pourquoi ça a l'impression que nous vivons sur notre planète? Tout ça, nous avons quitté ça. Dans le Congo. Nous avons palpé ma condition de vie. Il y a qui Congo, il y a Kinshasa. Oui, bien, que la vie est commis très cher à Kinshasa. Ça vaut les coques, Kabila Tshisekedi, on a combien? 250 francs. Le en a combien? 800 francs.
Covid. Et colère à foufou. Covid et Covid. Mon cher ami. Covid et peuple là na kanda mon cher ami. Covid et il faut écouter le contexte. Ne soyez pas avocat du diable mon cher ami. Ne soyez pas Maxime. Les gars pas Angela mon cher ami. À l'époque tous les corps à l'est. Na Angela Maxime. Na Angela. Na Angela. Ne soyez pas avocat du diable. Ne jouez pas les jeux de l'union sacrée. Parce que j'ai posé ma question. Congolais là na kanda ko sacramenté mon cher ami. Et les Congolais ne jurent qu'il n'y a pas élection. C'est la statistique. Est-ce que le pays avance ou est-ce que le pays recule? Le pays recule dans tous les domaines de la vie nationale. Dans tous les domaines. N'habitez ce que vous avez dans la moitié, mon cher ami. N'habitez. Les paniers de la ménagère, hein? C'est quoi les lots? Mon cher ami, c'est comme si on a beaucoup plus scandale qu'à peuple. C'est comme si j'ajoute encore la colère. Mais Le va grève partout, mon cher ami. Partout, il y a des grèves. Les enseignants, vous allez rénumérer dans le salaire. Bon, parlons d'abord de la gratuité de nos lois, mon cher ami. Pour votre information, la gratuité est là qui l'un des points qui avait été inscrit dans le programme de la coalition entre les fils et les cash. C'était l'un des points. Mais aussi, mon cher ami, tout ça, il y a beaucoup plus la quantité, mais il faut trouver aussi la qualité enseignement de l'eau, mon cher ami. C'est quoi la qualité enseignement de l'eau dans la gratuité? Combien d'écoles ont été construites pour accueillir les venus sur Wana? C'est quoi l'infrastructure? Donc, il faut aussi qu'on le non seulement les contenants, mais aussi il faut trouver les contenus. C'est ce qui. Non, le lot, il y a eu ça d'abord. Moi, je suis un ministre, ou soit, moi, je suis un député, c'est pour dire, mon cher ami, il ne faut pas concevoir la face aujourd'hui. Que le Congo est au Kende dans les boulous. Et nous devons faire très attention. Le gouverneur va dire que c'est un Congo dans les boulous. Nous devons. Pardon? Mais le Congo, ils ont les boulous, mon cher ami. Les boulous. Et pourtant, Kabila fait un grand travail dans ce pays. Il y a qu'à remettre le Congo, n'est-ce pas? Sur la surface. Et il avait fallu que nous on la poursuivi. Mais malheureusement, mon cher ami, ils ont un monika tikina 1. Il y a un 2. Ou il y a un 3. Mais monika tikina 7. Tu nous ramènes à 0, mon cher ami. C'est quoi ça? C'est quoi ça, mon cher ami? Nous devons ramener au 0. Bien sûr, mon cher ami. Je suis congolais avant tout d'abord, mon cher ami. Avant d'être communicateur du PPRD. Nous avons palpé les lobes à réalité, la conduite de vie à l'eau, mon cher ami. Les lots qu'on nous dans les deux bouts du mois, mon cher ami. Et c'est comme il passe, mon cher ami. La misère de l'eau, il y a mon cher ami. Donc, Maxime, mon cher ami, tous est là. Il y en a un 5 à Imbok, base à la chimie. Et tous est là, éveillé. C'est-à-dire, qu'il y a sur l'issue, non, pour que nos élections, il y a 2023, et tracer les bisous, ma camboyo, une fois pour toutes, mon cher ami. Pour que tu bois kabango, les bandes à gestion. Et nous n'allons pas renouveler la confiance. Parce que la beauté de la démocratie, je cite mon cher ami, c'est justement que non, le peuple a sa évaluation. Il y a un consignaillé, n'est-ce pas, sur base de la promesse, sur base de la programme de Bango. Et le lot, c'est noir sur blanc, d'abord, du point de vue programme, il n'y a pas de programme T. Il n'y a pas de conglomérat d'opportunistes et d'affairistes. Ils sont là tout simplement pour coïncider la caisse à l'État. Voyage, yélé, comment expliquer dans un pays où l'économie est très faible? Mais vous faites le tour du monde, mon cher ami. Un voyage, je présente même en Afrique du Sud, mon cher ami. En Afrique du Sud, cacao. C'est dans les 450 000 $. Mettez en fois 10. Ils ont combien, mon cher ami? Et mettez en fois 100. Mettez en fois 170 les lots. Ça fait combien de millions de dollars, mon cher ami? Vous voyez, on ne sait pas ce qu'on veut réellement, mon cher ami. Il y a un avis qu'on va imboka, va être un autre. Il y a cette grande émission qui base à la chimie pour que le peuple perdu va rentrer en force. Merci. Avec toute l'expérience merci. Que nous avons de gestion, tant aux sous-sous qu'on va faire, mon cher ami, le peuple va se retrouver.
dans notre gestion. C'est important. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. L'émission ici, tout ça qui est vraiment... Déjà Yako, Yabelamino, mon collègue Alélo, de Jean-Pierre Bélessi, Azali, mon collègue communicateur à PPRDFCC, Yann Joseph Kabila, Totondi ou Botondi. C'est un plaisir, mon cher. Vous allez qui est belé, il y a Rolanda Bisso, Topessibino, vraiment, ma tonne de Mingi, de partout, hein, au Rolanda Bisso, vraiment, merci pour l'attention, soutenir Nabino, l'émission Nabino, Tokutani, Mbalayasima, pour un autre numéro, pour un tout de Bela, Congo démocratique. Au revoir.